tout le monde, je viens de vivre une expérience ce matin un peu particulière. J'ai passé le pire entretien d'embauche de ma vie, vraiment. J'ai été accueillie de façon très froide, de façon hystérique, de façon hystérique en fait. Hein. Déjà j'ai attendu 20 minutes dans le couloir qu'on puisse m'accueillir, bon ça encore... Mais déjà, direct, la directrice me dit « Bon, mais si je vous convoque, c'est absolument pas pour votre lettre de motivation, parce que bah, l'on met pas du tout. » Déjà, ça jette un petit froid. Et puis, elle s'est complètement déchargée sur moi. Elle avait dû se prendre la tête avec quelqu'un juste avant, et c'est moi qui ai pris. Mais alors, mais j'ai pris, hein. Elle a insulté ses employés, la secrétaire m'a fourré toutes les affaires dans les bras, les chaussures, les fringues, le badge, le cadenas, enfin la totale, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, pour au final elle me dit « Vous commencez à 14h ». Donc bon, j'ai dû faire bonne impression, j'en sais rien, sinon elle avait pas d'autre choix, certainement. Enfin bon, voilà, c'était... je suis encore un petit peu déboussolée parce que là c'était vraiment... Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles toute seule? Non, je parle... Je pensais que tu étais au téléphone, moi. Je parle aux gens. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Bonjour tout le monde. Je raconte... Ah, tu parles de ton expérience, là? Ouais. T'es sûr que tu veux bosser pour elle? C'est 15 jours qui peut déboucher sur un CDI. La balle est dans mon camp, elle m'a dit. Elle m'a la répété au moins. Il y a parfois de ces patrons qui savent accueillir leur personnel. Ah mince, je casse tout là. Qui savent accueillir leur candidat, mais alors d'une façon médiocre, ça donne déjà pas envie de bosser pour eux. Ah non, mais complètement. J'y vais parce que j'ai envie de travailler, mais si j'avais d'autres choix, je crois que j'irais pas. Ouais, bon. Écoute, en tout cas, ton CV, il a fonctionné. Hein, ouais, la lettre de motivation, non, pas du tout. Alors, mais voilà, il y a parfois des patrons qui sont en effet déjà d'emblée super désagréables. Bon, alors, il ne faut pas le prendre personnellement. Non, mais bon, mais à mon avis, tu as dû ramasser pour les autres. Hein, c'est assez déstabilisant, j'ai envie de dire, parce que... Bah écoute, point positif, tu as un taf. Oui, voilà, je commence à 14h. Hein. Du coup, tu as un taf direct. Direct, j'ai même pas essayé de me vendre en fait, parce que quand je commençais à me couper la parole en me disant non mais on va pas discuter 36 heures parce que sinon on ira jusqu'à demain. Demain. Alors ils viennent du sud-ouest, vous l'entendez, demain. Excuse-moi. Oh, et t'as pris tes comprimés. Bon ben voilà, c'est ben, super que tu participes là, que tu as fait cette vidéo aujourd'hui, ben super. Ben, alors du coup c'est elle qui l'a faite, c'est pas moi. Ouais. Bon, ben écoutez. Eh bien ce soir j'en ferai une autre pour te dire comment ça s'est passé. Oui, mais si t'es pas trop crevé. Oui, parce que là, allez, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À demain. Bye.